Bonjour, nous allons voir ici comment utiliser le script Fubaru pour corriger des réponses d'élèves à un formulaire. Donc, on a utilisé Google Formulaire pour se créer un questionnaire, donc où j'ai demandé le nom, prénom et le courriel des élèves pour pouvoir les identifier. Ensuite, on peut demander une réponse courte, choix multiple ou encore dans une liste. À ce moment-là, Fubaru pourra corriger les réponses qu'on a données. L'enseignant pourrait entrer en premier dans le formulaire et ainsi écrire les réponses correctes, de façon à ce que le script puisse comparer ses réponses à celles des élèves et corriger le tout. Le script Fubaru pourra être utilisé en allant dans le menu Insertion, Script. On exécute une recherche sur le terme Fubaru. On installe. On va nous demander l'autorisation d'utiliser le script, ce qu'on va donner. Une fois ceci fait, c'est installé, donc on peut fermer cette fenêtre-là. Un nouveau menu vient d'apparaître dans notre tableur. Le script Fubaru est encore en anglais, donc c'est écrit Grade Assignment. On pourrait, si on a une traduction française, allez la choisir là. Donc ici, tout simplement, c'est la correction. Donc on demande au script de corriger. Le script s'exécute en nous demandant des questions. Donc la première, on nous demande c'est le nombre de points et lesquelles des questions servent à identifier l'élève. Donc nous, c'est nos trois premières questions. On pourrait mettre un nombre de points différent par réponse. On continue. Ensuite, on nous demande quelle est la ligne qui a les réponses exactes. Donc, nous, dans notre cas, c'était la première ligne. Et là, le script corrige et a fait la correction. Donc, vous pourrez examiner le tout. Ça nous a donné les points, quelle réponse était bonne. On nous indique une colonne en orange lorsqu'on a moins de 60% de réussite. La colonne, donc la question est mise en orange pour indiquer que c'est une question difficile pour le groupe d'élèves. Dans le menu Fubaru, maintenant, on pourrait envoyer un courriel aux élèves avec un rapport. On pourrait voir également le rapport, donc avec un graphique qui nous indique les points, etc. Donc, c'est une présentation rapide de ce que peut faire le script